C'est ma photo. Je t'ai dit que tu veux ma photo. J'ai dit que tu veux ma photo, sinon je te plante. Je porte la bière. J'ai réussi de la planter là, tu vois. Genre, j'ai fait un, deux, je suis désolé, c'est ma mère qui l'a planté. Je suis désolé. Je suis désolé, toi. On dirait que la Terre est explosée. Mais je pense que ça explose comme ça, la Terre. Là, tout le micro. Oh, pas pour ma vie. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale, la dernière partie du week-end, le week-end très spécial du tournage de faire le comique. Le comique plus les autres trucs que j'ai fait là, et la semaine prochaine que je vais faire des autres vidéos de montage avec sur mon ordi. Là, cette semaine-là, la semaine que j'ai passé, le week-end que j'ai passé, c'était vraiment grave. C'était la semaine c'était mal passé, parce que ma patronne qui m'a engueulé pour lui envoyer 3 francs chez plus que là. J'espère que demain, en plus je vais nettoyer avec le décapage, c'est pas moi qui m'occupe des personnes qui font le bordel, genre. Vider, toi, genre, il vide sur le jus de poubelle, pardon, les déchets, que j'ai nettoyé. Écoute bien cette vidéo-là, c'est très spécial vu que j'ai critiqué un petit peu mon boulot. Voilà, je critique un petit peu mon boulot. Je m'en fous qu'il y ait eu des vues basses ou des vues bien, je m'en fous. Cette vidéo-là, c'est très spécial de critiquer mon boulot. Là, la première semaine, lundi dernier, j'arrive sur le terrain, que je prends mes affaires, je prends mon balai, je prends que pour laver, que je fais les étages les grands étages du bâtiment du dernier au deuxième étage, que j'ai fait des autres, que j'ai fini ma cale, que j'ai fini l'escalier du bâtiment. Là, j'ai trouvé quoi? Devine, de la pisse des chats. C'est moi que j'ai nettoyé la pisse des chats? C'est moi que j'ai nettoyé les conneries des gens? Je respecte même pas. Je respecte même pas les gens qui sont dégueulasses. Bon, là que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai expliqué, que j'ai nettoyé la pisse des chats dans le bâtiment. Le deuxième jour que j'arrive, le mardi, que j'arrive dans l'atelier, que le même a tenu plus, mais aller là-bas, que là, j'ai vu sur le plan, sur l'espèce de map, l'espèce de plan de bas que je travaille, j'ai vu quoi? Alexis, le décapage. Attends, le décapage? J'ai jamais fait ça de ma vie, le décapage. Le décapage, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit Catherine, il m'a dit quoi? Levin. Il m'a dit, c'est toi qui n'as pas nettoyé comme ça? J'ai regardé ma Catherine, je lui ai dit, hey, moi j'ai toi, j'ai pas, moi c'est la première fois que j'ai nettoyé comme ça de merde, de merdique.
Là, c'était le décapage toute la matinée. Moi, j'ai fini de 10h, 10h30, j'ai fini. C'est pas ni à 10h45 ou je sais pas quelle heure. Quand j'ai fini à 11h. Que j'ai fini à 10h30. Que moi, je suis à mi-temps. Je travaille à mi-temps. Que j'y vais à 8h15 là-bas. Plus 8h15, aller dans les bâtiments. Que nettoie les bâtiments. Après, j'ai vu l'heure sur mon téléphone. 10h moins le quart. 10h15, 10h25, 10h30, c'est fini, c'est top, c'est rangement des affaires, c'est tout. C'est pas une heure tard, hein. C'est pas une heure plus. Hein. Sur mon contrat, c'est écrit, voilà, c'est top, c'est tout. C'est que prochaine fois que je travaille, moi je lave, j'en ai marre du ménage, j'ai envie de partir dans la cuisine. Tiens, je vais vous parler de la cuisine. Le coup j'ai mangé, le coup que j'ai failli vomir. Ton kirsch, je sais pas quoi, le kirsch, genre bizarre 8, sa kirsch. C'était genre une kirsch bizarre. Genre c'était le saumon épinard. Ah, j'étais content. Genre ma gorge, ça a fait ouh, comme ça, mais j'ai envie de vomir, tu vois. C'est dégueulasse, sa kirsch en épinard. Jamais bouffé ça de ma vie. Jamais de bouffer des cochonneries. Moi, mes couilles, tu manges que des autres croûtes, tu vois. Pas des croûtes mauvais pour la santé. Franchement, les gars. Putain. Le coup, là. J'ai dit à ma maîtresse que moi je change de bâtiment. Je change de bâtiment. Et elle m'a pas compris. J'ai dit c'était le vendredi qui était le vendredi là, le vendredi qui est passé. J'ai dit excusez-moi, j'en ai marre de ce bâtiment là. Il y a eu plein de traces, il y a eu plein de saletés, il y a eu plein de pisse et plein de crachats sur les vitres. C'est quoi ça? Et les gens ils respectent pas le travail des autres personnes. C'est un mot du vulgaire dégueulasse, efficace. Voilà, dégueulasse, efficace, dégueulasse. Ouais, franchement, c'est. Moi, ma note de mon travail, c'est 0 sur 20. C'est ça, 0 sur 20. Mon travail, c'est 0 sur 20. Y a des personnes qui regardent ça, qui mes collègues qui regardent ça. Ah, mais pourquoi lui, il fait des vidéos? Pourquoi lui, qui critique son travail? Eh. Regarde cette vidéo-là, je crains d'expliquer. Je crains d'expliquer que j'ai fait des choses pas la semaine. Le week-end, le samedi, j'ai un seul mot. J'ai dit personne. Mes parents, moi. Je parle doucement, c'est normal. Dans les murs, il y a des oreilles. Tu vois? Le mur-là, ça a été des oreilles. Là, il y a des murs oreilles. Là, tout partout, il y a des oreilles aussi. Vais expliquer pour l'autre chose pour la semaine prochaine. Je vais faire des autres vidéos de montage. Là, je ne vais pas faire des vidéos en vidéo normale. Là, c'est des vidéos que montage sur l'ordi avec les photos et tout. Allez, à plus. Au revoir. Et vas-y, bonne visionnage. Regardez bien, installez-vous sur vos lits, sur votre fauteuil. Vous regardez les vidéos de moi, que je vous parle, que j'ai fait des comiques, que j'ai fait des choses bien. Bref, mets un gros pouce bleu et au revoir et à plus pour la semaine prochaine. Des tops de photos. Bref, à plus.